بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله بارك على نبينا محمد وسلم لوان جاء الله سنير الانيفير بي سالي سلو سولي ميساجي محمد بن عبد الله جرتس كل نيا ديفينيتي كالا محمد سون سيرفيتور ميساجي فرسر ان اسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان سكي كونسيرن لا سيليبراسيون دو لا كوم يل لو ديز دو لانيفيرسير دو بروفيت محمد بي سالي سور لوي communément appelé Mauloudou Nabi. Bon, en tout cas, moi, dans mes recherches, dans mes études, je n'ai pas vu quelque part dans un livre, ni dans le Coran, ni dans les hadiths du prophète, paix et salut sur lui, ni dans les dits des grands savants, des grands ulémas, que cela est recommandé par la religion musulmane. Je n'ai pas vu ça. Et le prophète ne l'a pas fait, ses compagnons ne l'ont pas fait, ceux-là qui ont suivi les compagnons ne l'ont pas fait. Donc je ne sais pas comment cela est devenu une recommandation ou bien une religion. Donc moi je considère cela comme une innovation. Et vous savez, en islam, on n'innove pas. En islam, les textes sont clairs. Il y a le Saint-Coran, il y a les hadiths du prophète, paix et salut sur lui. Donc c'est là la référence ou les références des musulmans. Donc tout ce qui est dans le Coran ou dans les hadiths du prophète, paix et salut sur lui, est ce qui a été recommandé aux musulmans. Maintenant, quand il n'y a pas de preuves dans le Saint-Coran ou dans les hadiths du prophète, paix et salut sur lui, donc cela n'est pas considéré comme une recommandation divine ou une recommandation de la religion musulmane. En ma connaissance, en tout cas mes recherches et les savants que j'ai eu à demander, le prophète, paix et salut sur lui, n'a jamais célébré cette fête, son anniversaire, ainsi que ses compagnons. Ils n'ont jamais, personne n'a célébré cette fête et personne ne peut dire le contraire. C'est une innovation pure et simple, c'est quelque chose qui n'est pas prescrit. Jusqu'à preuve le contraire, vous pouvez demander à ceux-là qui font cette fête sur quoi ils se basent, leur preuve c'est quoi. Ils ne vous apporteront jamais une preuve. Ça, je défie. Personne n'a cette preuve, ni dans le Coran et ni dans les hadiths du prophète, paix et salut sur lui. Tous les jours, le musulman est demandé de lire le Coran tous les jours. Le musulman est demandé aux musulmans de faire des invocations tous les jours. Il est demandé aux musulmans de faire des prières tous les jours. Donc ce n'est pas spécifique à ce jour-là. Le 11 du mois de Rabi al-Awwal, dans la nuit du 11 au 12. Donc c'est ce qui n'a pas été recommandé par la religion. Donc nous parlons de cela. Donc vous savez, toutes les adorations, il y a des références. Par exemple, quand on dit la prière, ta preuve c'est quoi? Wa aqimus salat. Ça existe dans le Coran. L'aumône, la zakat. Ta preuve c'est quoi? Wa atu zakat. Le jeûne. La preuve c'est quoi? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam. Le pèlerinage c'est quoi? Walillahi ala nas hijjul bayt. Donc toutes les adorations qui ont été recommandées par la religion musulmane, il y a des preuves dans le Coran ou dans les hadiths du prophète, paix et salut sur lui. Toutes les adorations qui n'ont pas de preuves ne sont pas considérées comme des adorations authentiques, comme des adorations recommandées par la religion musulmane. En tout cas, c'est de pratiquer ce qui a été recommandé. On ne peut même pas pratiquer tout ce qui est recommandé. On ne peut pas pratiquer tout. Même les obligations, on ne peut pas tout faire. À plus forte raison, les surrogatoires, les sunnas du prophète, paix et salut sur lui. Donc, pourquoi laisser ce qui est obligatoire ou surrogatoire et faire ce qui n'est pas recommandé? C'est la question que je me pose. Donc, vraiment, c'est de demander aux musulmans de faire ce qui est recommandé. Ce qui n'est pas recommandé, abandonner cela. Ce qui n'est pas recommandé. Puisque, en tout cas, le prophète dit dans un hadith, lorsqu'un musulman, lorsqu'on fait quelque chose qui n'est pas recommandé,
cela n'est pas accepté chez Allah. Hein? C'est là où il dit kullu bid'atin dalala. Toute innovation, toute innovation est un égarement. Donc, c'est ce que le prophète paix à lui sur a dit. Donc, pratiquons ce qui est recommandé, et ce qui n'est pas recommandé, bon, abandonnons cela.